Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une nouvelle présentation de l'équipe. C'est vrai, j'en ai fait une il n'y a pas très très longtemps, d'ici peut-être une ou deux semaines, je sais plus. Mais il fallait que je vous en fasse une parce que j'ai quatre nouvelles équipes, donc dont une qui est modifiée, donc je tiens à vous présenter. J'espère qu'en tout cas que vous allez bien, moi ça va, à part qu'il fait juste 45 degrés dans ma chambre, mais sinon, tout se passe bien. Donc on va attaquer par la première équipe. La première équipe, les gars, qui est une Or du Brésil. Je vous l'ai déjà présenté, vous n'inquiétez pas, mais il y a quand même eu quelques changements. En attaque, j'ai mis Wellington parce que pourquoi déjà? Parce que oui, parce que j'ai mis à côté Aiden McGeady qui est très 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 bon. Je préfère lui quand même à Kelvin, même si Kelvin est un petit peu plus fluide dans les dribbles, mais McGeady est très très bon. Voilà, donc Neymar, lui non plus, n'a pas changé. Ensuite, nous avons Elton, les gars, un joueur argent 5 étoiles qui joue en Saudi Pro League et qui me plaît énormément. 14 matchs, 6 buts, c'est bien pour MC, c'est pas son rôle de marquer, mais il marque des buts, c'est bien. Par contre, faut pas compter sur lui pour défendre, ni de la tête, hein, parce que 1,59, les gars, c'est vraiment très très petit. Ensuite, voilà, nous avons Luis Gustavo, les gars, Luis Gustavo. Je l'ai pris parce que c'est vraiment pour moi c'est une sentinelle. Je veux un mec qui soit capable de défendre, qui monte très très peu. Et Luis Gustavo fait ce rôle parfaitement. À côté, nous avons Carlos Eduardo, les gars, 5 étoiles de gestes techniques, 11 000 crédits. Bon, ça n'a pas changé, hein, c'est comme l'autre fois. En défense, Marson est toujours là, Santana est toujours là. Et j'ai acheté bien sûr Thiago Silva, les gars, pour 106 000 crédits. 14 matchs de but, bon, 82 de vitesse, 88 de défense. Et 82 têtes, ce que je demande, il est très 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 bon. Et à droite, toujours, Mariano. Donc, ok, j'ai mis Sirigu parce que je pouvais plus mettre Adler, je crois, parce qu'il n'est pas neuf de collectif. Voilà, donc une équipe qui me plaît énormément. Ensuite, seconde équipe que je vous ai cachée pendant que je vous ai cachée pendant très très longtemps, c'est une équipe de Belgique, donc j'ai mis Or, mais il n'y a pas que des Or dedans. Une très très belle équipe de Belgique qui évolue en 4-4-1-1 avec bien sûr au cash Thibaut Courtois. Tots, les gars, c'est ce que je veux, c'est ça qu'on veut. C'est du Tots, c'est 66 000 crédits, les gars. 1m98, 84 de plongeon, 90 de réflexe, 87 en positionnement, 94 en jeu à la main, les gars. Pouh, qu'est-ce qu'il est fort ce Tots, je le kiffe. Franchement, je le kiffe, il est très très bon, il ne m'a pas fait de boulette pourtant. J'étais un peu sceptique, sachant que j'ai testé sa version boost, bof, sa version normale, bof, sa version régulière, et non pas plus du tout, mais en top, il fait l'affaire, franchement, il a pas fait de boulette pour le moment, en 21 matchs, c'est déjà bien. À droite, nous avons Richie Delight. Je l'ai pris parce qu'il a 87 de vitesse et 68 en défense, 70 de la tête, voilà, c'est pour ça son rôle, c'est de défendre, et il le fait parfaitement. Ensuite, nous avons Vincent, compagnie, je le présente plus, on le connaît tous, 22 500 crédits, 1m92, les gars. Que dire de plus, à part qu'il est énormissime. Ensuite, j'ai mis Thomas Vermaelen, peut-être que je changerai, je sais pas. Vermaelen n'a pas marqué, donc c'est bon, on verra bien. Pour moi, j'aime bien que les défenseurs centraux marquent, mais bon, en même temps, il n'est pas très grand, puis il monte pas énormément, donc voilà. Et à gauche, nous avons, bien sûr, Katoku Chimanga. Chimanga, je l'ai pris par sa vitesse, 92 de vitesse, c'est bien pour déborder et pour revenir sur les attaquants très très rapides. 1m78, 465 de défense, 68 de la tête, c'est ce que je veux, c'est ce que je demande, les gars. Ensuite, mes deux MC, alors les deux MC, les gars, je les aime énormément. Mauro Fellaini, on ne le présente plus, on le voit tout le temps sur le live, mais il fallait que je le mette, c'est un belge, il est très très bon. Et à côté, les gars, on le voit un petit peu moins, c'est Raja Nengolan. Que vous dire, à part ce joueur, il est énorme. 800 crédits, c'est quasiment offert. 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pieds. 84 de vitesse, 83 de dribble, 67 de tête. Mais vous avez vu que la plupart de ces joueurs ont pour but, disons, de... Enfin, disons que Nengolan, son but, c'est bien de défendre et bien attaquer. C'est un MC, c'est le rôle, c'est ce qu'on veut pour un MC et il fait le taf. Franchement, il fait le taf. À gauche, il fallait que je passe, il y a le meilleur joueur belge. Bien sûr, c'est Eden Hazard. Eden Hazard, 90 de vitesse, 90 de dribble, 78 en tir. 4 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied. 43 000 crédits achetés, 28 matchs, je sais plus. Il marque pas énormément, je trouve. Mais bon, il apporte énormément offensivement. S'il marque pas, il fait des passes décisives. Il est toujours présent dans une action. C'est un joueur où vous êtes sûr qu'il sera bon. Ça, c'est sûr. À droite, un joueur qui m'a franchement très très déçu, c'est Kevin Miralas. J'ai testé sa version régulière en BU, franchement non. Il est bon en BU, mais sur un côté, je l'aime pas du tout, 21 matchs 3 buts, donc c'est vraiment n'importe quoi par rapport à Miralas.
Donc les gars, je sais qu'il y a quand même pas mal de Belges qui m'en suivent. Si vous pouvez m'aider pour me conseiller quelques joueurs ainsi qu'un milieu droit, parce que bon, Muras, ce n'est pas très bon. Je pense qu'avec les crédits et tout, si je le revends, je m'achèterai peut-être un boost, donc Fellaini boost ou Lukaku boost, je sais pas. La T de cette équipe me plaît normalement, c'est Moussa Dembélé, 4 étoiles de technique, 2 étoiles de mauvais pied. Bon, faut pas trop tirer du pied droit, même si ça rentre quand même. 33 matchs, 13 buts, c'est ce qu'on demande. 1900 crédits, c'est rien. Et très très bon. Et la pépite de cette équipe, pour moi, c'est quasiment l'un des joueurs phares de cette équipe, le joueur que je préfère le plus, c'est Romelu Lukaku. Lukaku, 21 matchs, 23 buts, les gars, 1 match, plus d'un but, c'est ce qu'on veut, les gars, c'est ce qu'on veut pour un attaquant de grande classe. Et pour moi, c'est un attaquant de grande classe. Et 1m90, donc très très grand. 81 de vitesse pour 1m90, c'est énorme. 74 de la tête, 73 en dribble, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc si vous pouvez m'aider pour des joueurs, si vous avez d'autres joueurs à me dire, des tots, des boosts ou d'autres joueurs argent, il n'y a pas de problème. Alors, je vais parler ensuite de la troisième équipe, une argent suédoise que j'ai créée en live. Donc je vous invite à voir la rediff du live si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais vous la présenter. Au cash, nous avons Hansson, qui est très 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 bon. À droite, nous avons Johnson. Son rôle, c'est de défendre, il le fait. Dans l'axe, une défense qui me plaît normalement, c'est Johnson. 1m94, 1900 crédits, 71 de défense, 71 de vitesse. C'est ce que je demande pour un défenseur d'être grand et d'être assez rapide. Et il fait le taf. À gauche, l'homme phare de ce qui, pour moi, c'est quand même Mikael Almebak. 83 de vitesse, 74 de défense, 72 de tête. Pour un défenseur, c'est ce qu'on demande. Il marque quand même des buts. 4 matchs, 2 buts, donc c'est ce que je demande. À gauche, nous avons Safari. Et oui, on part pas en Tanzanie, comme d'après la pub. Je vais pas faire de pub, mais d'après la pub sur à la télévision. Safari, Tanzanie, tout en genre, bref. À gauche, nous avons Tobias Sana qui fait des dribbles avec lui. 4 fois de technique, 4 fois de mauvais pied. À droite, nous avons Molins qui est très très bon. Son rôle, c'est de marquer des buts, de faire des passes, il le fait aussi. Mais 2 MC Farnerud et ce joueur que j'apprécie normalement, Pontus Wernerblom, là, Vern Blum. 4 matchs, 3 buts, les gars, il a une frappe de ouf, c'est un truc de ouf, les gars, il a une méchante frappe. Quand il faut tirer, il répond présent. Bon, là, que 2 étoiles de jeu technique, c'est pas que vous allez faire des Ronaldo Shop, des Magui Dispin, etc. Mais quand il faut tirer en puissance, il est présent. En été, nous avons un joueur de Manchester City, John Guidetti. 4 matchs de buts, bon, ça va, c'est pas énorme, mais ça va, il fait son taf quand même. 74 de vitesse, 73 de défense, 68 de la tête. 1m85, donc ça va, franchement ça va. Et le but de cette équipe qui marque quand même pas mal de buts, c'est 4 matchs, 6 buts pour Alexander Gernt, 1m84, 84 de vitesse, 72 en tir, c'est ce que je demande pour l'attaquant de marquer des buts, et lui c'est comme Lukaku, même si je préfère largement Lukaku, mais lui quand il faut marquer des buts, il répond présent. Voilà. Donc une petite équipe qui quand même évolue en 4-4-1, coûte pas très très cher je pense, moins de 20 000, non allez, moins de, un peu plus quand même, comme à l'Ambac, ouais, un peu moins de 30 000 je pense que vous l'avez quand même. Et dernière équipe, il me semble que vous l'avez déjà vu en live, je dis pas de conneries, c'est une argent de type Lagen. Elle est énorme ici, mais encore un 4-4-1, c'est un des positifs qui me plaît quand même énormément. Donc au cas, j'avoue un Canadien, Lars Hirschfeld, 70 de plongeon, 73 de réflexe, 74 de positionnement, 76 en jeu à la main. Il est bon, 1m90, c'est ce que je demande, 450 crédits, c'est quasiment fait, mais c'est quand même un goal qui me plaît, mais quand il faut sortir avec 120 de vitesse, on dirait qu'il est en fauteuil roulant où il rampe, donc il met énormément de temps, mais il est très très bon sur sa ligne en tout cas. À droite, c'est un Costaricain qui me plaît énormément, c'est Christian Gamboa Luna. J'ai rien à lui reprocher, 700 crédits, et franchement, elle est énorme. Putain, j'ai boire un petit coup parce que, force de parler, puis plus je parle vite, donc je regarde ce qui se sèche. Voilà. Ensuite, dans l'axe, nous avons une défense. Enfin, dans l'axe, nous avons une. Ouais. Non. En défense, nous avons une. Ah, bref, vous m'avez compris, hein. Dans l'axe, nous voilà. Dans l'axe, nous avons. Des Norvégiens, et Torgen Riggenjussen, 1m87, 71 en vitesse, 74 en défense, 70 de la tête, 1m87, comme je vous l'ai dit, 1800 crédits, c'est quasiment fait, et ce joueur est très 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 bon. Nous avons à côté Evan Hovland, et c'est quasiment un des meilleurs défenseurs que j'ai testé, argent, franchement il me plaît. On dirait un Kurzuma. Il est rapide, il est bon en défense, 1m90 c'est bien, 76 de vitesse c'est bien, 77 de défense c'est parfait, 69 de tête c'est des conneries parce qu'il fait 1m90 et quand il faut sauter mettre la tête il est super bon, donc je pense que 69 il est un peu menteur mais il me plaît normalement. À gauche nous avons Vulzik, voilà un joueur assez basique qui me plaît. À gauche nous avons Phillips,
Lui, il ne marque pas de but. C'est une flèche, il court tout droit. C'est un mec qu'il faut utiliser en course tout droit. J'essaie de dribbler un peu, trois fois technique, j'y arrive un peu. J'ai mis quelques poteaux, mais ça rentre jamais avec lui. Mais bon, on fait comme ça, puis on fait avec. À droite, un joueur, pour moi, que je l'ai pris que par la vitesse, mais qu'est-ce qui me plaît, les gars? Il a 92 de vitesse, très rapide, mais pour dribbler, il est très très bon. Il a que 3 étoiles, mais il voit les passements de jambes, les crochets, ça rentre super vite avec lui. Et vous tirez, vous marquez, regardez, 2 matchs, un but, c'est ce que je demande. Mes deux MC, le premier, c'est un costaricain, Barrantes, que j'alterne avec Draj. Alors, Draj, il est où? Il est là. Oui, Draj, la blague, le mariage, on a compris, Dragé, bref. Et Draj, il est très très bon, je l'ai pris pour ses 4 étoiles de technique, 84 de vitesse, 1000 crédits, c'est offert. Nous avons Oduro, non pas Oduro, c'est Ogoudé, je confonds toujours avec Oduro, mais non. C'est Fegol Ogoudé, Ogoudé 78 de vitesse, 74 de... Ah bah oui, c'est vrai. Ah, elle est bien celle-là, elle est bien quand même. Hein. Donc Ogoudé, je vais en venir après, attendez. Il fallait que ça arrive en live, les gars, enfin en live. Ouais, c'est comme ça. Bon, j'ai bon un coup, je vais en profiter. Alors... Ah, les serveurs IA sont vraiment en mousse. Hein. Alors, qui pourrait me mettre sur FIFA Ultimate Team, s'il te plaît? Chargement. Ah, merci, bah disons. Donc, je disais, on en était à Ogoudé. Non, pas Ogoudé, c'est... Ah si, Ogoudé, je vais me tromper encore une fois. Ogoudé, 78 de vitesse, 76 de dribble, 74 de défense, 75 de la tête, très très bon MC qui court tout le temps, offensivement et défensivement il répond présent. En AT, donc c'est l'un des trois meilleurs joueurs de cette équipe, Tariq El Younoussi, les gars, il n'a pas marqué, c'est dommage, c'est très très dommage. Mais bon, 6700 crédits, 14 de technique, 14 de mauvais pied, 88 de vitesse, 78 en dribble, 74 de défense, 71 en tir, c'est bien, il fait des passes, il est très très bon pour son compère. En attaque, bien sûr, Eric Yousklep, pour moi, c'est pas Eric, hein, c'est Tatiana ou un truc dans le genre, parce que c'est une fille. Pour moi, il a une tête de fille, mais bon, c'est comme ça, on peut... c'est pas de sa faute, ça. 2 matchs, 3 buts, 8500 crédits, les gars, 4 fois le jeu technique, lui aussi, pour dribbler, c'est bien, on se rend bien, on tire, on marque, voilà. Donc, sur ce, s'achève cette dernière, donc cette, oui, pour moi, je pense que c'est la dernière, hein. Peut-être il y en aura une en août, mais c'est pas sûr. Dernière vidéo dans la présentation de mes équipes. J'ai juste besoin de vous concernant cette petite équipe, même si vous avez d'autres joueurs à me conseiller, hein, suédois ou Antipel Lagun ou même brésilien, mais j'aimerais quand même votre aide concernant cette équipe de Belgique. Alors j'aimerais changer peut-être Vermaelen, mais c'est pas sûr, peut-être m'acheter un Vertonghen, je sais pas. À droite, j'aimerais que vous me donnez, disons que vous me trouvez un joueur qui est très très bon, quand même assez rapide. Enfin, pas 99, mais assez rapide quand même. Argent, pourquoi pas. Ça, je pourrais vendre Kate Miralas et m'acheter un boost avec peut-être Marouane Fellaini boost, je sais pas. Ainsi que peut-être Lukaku boost. Voilà, les gars. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mes équipes vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Cyril, et je vous dis, bye bye!